pas d'école sérieuse en France, ni dans aucun pays européen. Étant enfant de la balle moi-même, je connais quand même le milieu du cirque suffisamment pour m'apercevoir qu'il n'y avait plus d'enfant de la balle, valable en tout cas. Fini. Maintenant nous travaillons, asseyez-vous là, c'est fini, terminé, je ne vous embrasserai plus, asseyez-vous ici et nous allons jouer. Fratellini, qu'est-ce que vous faites? J'ai vu des gens qui travaillaient, quoi. C'était par devant, au début l'école était là, théâtre 14 là-bas. Et il y avait, voilà, il y avait des acrobates, il y avait il y en avait sur des fils, il y en a qui jonglaient, effort, travail et enthousiasme, passion, quoi. C'est ça qui m'a sauté à la figure, quoi. Pour nous, c'était un enrichissement formidable. Il n'y avait pas les locaux de ceci, les locaux de cela. On se déshabillait sur les gradins. Il y avait tous les gens qui bossaient un peu partout. C'était un espace minuscule, un petit chapiteau. Mais tout le monde se voyait. Donc on se chopait des exercices. On regardait ce que faisaient les autres. On était tout le temps à la fois en train de travailler sur soi et de travailler sur les autres. Et il y avait un espèce de mélange. Finalement, il y avait des tas de comédiens. Il y avait des gens de cirque. Il y avait des apprentis. Il y avait plein de monde. À 17 ans, 16 ans et demi, j'arrive prendre mon stage avec donc Annie et toute son équipe. La première personne que je vois, c'est Antoine Rigaud. Je me rappelle le voir pratiquer le salto arrière sur le fil à 50 cm de hauteur avec les tapis. Et c'était extraordinaire pour moi parce qu'il y avait toute l'essence même du cirque à l'intérieur de son mouvement et de son geste. Et je suis resté bien une demi-heure avant d'aller me présenter comme stagiaire à Bolène, tellement j'étais médusé par ce geste incroyable que Antoine à l'époque faisait. Et là, on est dans les années, je ne sais plus combien, 76, 77. Je ne connaissais pas du tout le cirque. Là, j'ai vu des gens s'entraîner au trapèze, faire des figures. J'ai vu des filles qui faisaient du fil. Et là... Ça a été vraiment une découverte, quoi. Je me souviens très bien que ça avait été un moment très fort, quoi. J'avais vu un garçon faire un saut périlleux et puis j'étais resté rivé à cette idée-là. Et cette soirée-là, il proposait un atelier de cirque dans une petite ville où on habitait. Et donc j'ai fréquenté cet atelier les mercredis soirs. Ça m'a transporté. Cette année chez Fratellini, ça a été une année de découverte plus globale parce qu'en fait, je touchais à tout tout en n'étant pas bon en acrobatie. Donc j'ai pris des cours de ci et de ça. J'ai été fasciné par les cours d'Edernac, le prestidigitateur. C'était de la manipulation, mais du coup, ça m'a fait travailler une dextérité des mains, des doigts, qui m'a été très utile par la suite. Mais j'ai surtout découvert un monde et des gens. Puisqu'il y avait des élèves qui venaient du monde entier. Il y a ce côté multiculturel qui était très présent et c'était pour moi très riche. Donc du coup, on a monté des petits spectacles. Il y a eu cette découverte de tout un monde de saltimbanques qui était extraordinaire. Elle avait aussi une fonction sociale, Annie. C'est-à-dire que des tas de mômes qui étaient doués physiquement, qui étaient des artistes, il y avait aussi des petits bourgeois, c'est pas ce que je veux dire, mais il y avait plein de mômes de milieux défavorisés à qui elle révélait un univers et qui se sont complètement réalisés là-dedans. Je me vois sur ce terrain qui était au coin de la rue d'Alésia et de la rue Vercingétorix, à souder des bouts de gradins, à essayer d'en mancher des mâts, à essayer de dresser ces mâts où les élingues, les câbles, tout ça était encore neuf ou ne correspondait pas. Donc c'était quelque chose en train de naître, où on était extrêmement bienvenus, parce que c'était au fond, c'était aussi pour nous, quoi. On faisait tout, on montait le chapiteau, on était garçons de piste, dans les spectacles, on était tout de suite partie dans les tournées, ça faisait partie de la formation pour elle, tout la technique, le travail, et puis les professeurs, c'était les artistes qui étaient dans le chapiteau, donc on était tous partis, et puis dès qu'on était à la barrière, comme on disait, on s'occupait du matériel, et dès qu'on savait faire quelque chose, on était dans la piste, en fait. On restait groupés, on montait des gens plus vite, ça y est, encore, ça c'est toi. Jette tes bras, très bien, très bien. Regarde, là, et là, et c'est parti. Voilà, c'est bien. Les professeurs étaient des personnes qui n'étaient pas des sportifs.
c'était des vraies personnes du cirque. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse expérience du public, de la salle, qui avait monté des numéros, qui avait aussi une technique formidable, mais qui étaient des gens artistes, c'était des artistes. Je me suis sentie très à l'aise tout de suite, là, tout de suite. On était au cœur, à la fois de la complexité, de la richesse, de tout ce que requiert une aventure de cirque, quoi. À l'époque, il y avait Grusse et Fratellini, il y avait deux écoles de cirque à Paris, et il y avait vraiment le cirque traditionnel, chevaux, les dorures, les passementeries, et tout un côté quand même vieille France et cirque à l'ancienne, revendiqué. Et puis cette école qui se situait un peu à la lisière, quoi. À l'époque, il n'y avait pas encore le nouveau cirque, mais enfin, ça nous y préparait quand même, hein. On était dans quelque chose où il y avait à la fois, une approche encore assez classique d'ailleurs de l'acrobatie, etc., mais une curiosité, une ouverture d'esprit immense. Tout le monde avait le droit de faire du cirque tout d'un coup. Et puis on avait le droit de faire du cirque comme on avait envie. C'était un désir personnel et une démarche personnelle. C'est-à-dire que ça devenait un véritable moyen d'expression et non pas la continuation de règles établies par d'autres. Des gens, comme on raconte, comme Colin Serrault, James Tiré, ou des gens qui eux-mêmes avaient une ouverture un peu différente, passaient ici. Je pense que ça pouvait vraiment mener à des chemins de traverse. En fait, le simple fait qu'il y ait eu école, endroit de travail, et qui se fondait avec un endroit d'entraînement mêlant des gens de divers horizons qui pouvaient venir juste parce qu'ils avaient une curiosité du cirque, ça a ouvert le cirque. Il y avait aussi Payette, le cirque Aligre aussi qui s'est monté à cette période-là, une espèce de cirque de barbares. Mais qui a aussi été très important, enfin, parce que c'était une création très singulière, avec un imaginaire assumé, un imaginaire un peu iconoclaste, mais assumé, quoi. Quand nous whistlons de sueur sous la fardeau, alors on nous dit, mais mon petit, la vie est lourde à porter. La volière Romesco, c'est un spectacle mythique. Il y avait un arbre géant, il y avait une piste, il y avait des chevaux, il y avait des oiseaux, il y avait des rats, il y avait... Voilà. C'était surtout un univers, en fait. C'est un univers, oui, puis de la musique tzigane. M'a invité à voir un spectacle de l'école du cirque, l'école nationale du cirque d'Annie Fratellini. Et tout d'un coup, je suis allé voir ce truc-là et j'ai vu des mecs de mon âge qui savaient faire plein de choses. Et je trouvais ça complètement fascinant, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais continuer mes études et à côté, je vais faire ça. Et j'étais dans un espèce de fantasme où je me disais qu'un acteur doit tout savoir faire. Et en fait, à travers l'école du cirque, j'ai développé, je pense, une capacité de mouvement. Quand vous êtes comédien, si vous n'avez pas un corps qui est coordonné, qui comprend l'espace, c'est pas bon. Là, pareil pour le rythme du trapèze, si vous n'êtes pas dans le rythme, si vous n'avez pas le sens du rythme, vous êtes foutu. Si vous faites un film et que vous n'avez pas le sens du rythme, vous êtes foutu. Le montage, c'est du rythme. Quand je montre à un acteur comment il faut qu'il ouvre une porte pour que ça soit habile et fluide, pour que ça passe dans l'image, c'est le même métier. Et le cirque, c'est une discipline à la fois où on montre quelque chose pour les autres, il faut être cabot quand même, hein. Et puis, on est dans un espace, dans un univers. Il faut qu'on soit en harmonie avec cet univers. J'ai monté plusieurs versions d'un spectacle qui s'appelait Triton, qui était un spectacle sur le cirque. Donc là, l'été, je l'avais créé à Avignon il y a déjà assez longtemps, la première version, et c'était fait avec des danseurs. Et le challenge, c'était d'essayer de monter un spectacle de cirque de très bas niveau en réalité, mais avec d'un mauvais niveau acrobatique, je veux dire, mais avec toute la magie du cirque. Et ça a fonctionné assez bien. Et après, du coup, ce que j'ai gardé aussi, mais ça, c'est parce que ça m'a toujours fasciné, c'est le travail en trois dimensions, le fait de faire des vols, de faire de l'aérien.
Annie Fratellini a été très préoccupée, et je dirais naturellement, par cette dimension de transmission de relais, un peu comme le 400 mètres à la course ou au sport, on fait passer cet objet. C'est un temps extrêmement court et en même temps extrêmement long. Quand on le voit au ralenti, on voit bien que le relais il se passe doucement de main à main, et que c'est quelque chose qui est doux et quelque chose qui est très précis. Je ne me considère pas comme un professeur, je ne suis pas quelqu'un qui théorise, donc je n'enseigne pas une technique, j'en suis incapable. Je veux bien chercher avec des élèves, et à travers cette recherche, il se transmet quelque chose d'un processus, d'un rapport au travail, d'un rapport à l'imaginaire, de stimulation que je peux leur faire, de propositions. Ça passe par là, mais c'est toujours à partir d'une matière sur laquelle on se met à travailler en commun, quoi. Et puis c'est vrai que ce rapport à l'imaginaire, à la rêverie, qui pour moi est principal, je le trouve important de le partager, quoi, et de le faire partager à des jeunes qui commencent. Il faut grouper et tendre, chercher tendu. Ouais. Besoin de peut-être maintenant, là où j'en suis par rapport à ma carrière, de partager des choses que je sais, quoi, que j'ai envie de donner ou en tout cas d'aider à proposer. Je travaille vraiment individuellement avec chaque personne. Donc c'est vraiment du travail à la carte et c'est différent selon chaque élève que j'ai. Et voilà, donc c'est super, moi je m'éclate. Des figures entre nous à l'école, on les apprend, du coup il y a le truc de la longe et ensuite on enlève la longe et du coup il y a une petite tension, quoi, tu vois. La tension, c'est bien de la maîtriser à l'entraînement et de plus vite la montrer devant des gens, enfin devant un public. Du coup on s'habitue à tout ce qui est du regard des autres ou du jugement. Ça donne une vraie capacité à savoir comment t'es sur un plateau, et voilà, ça se fait pas d'un coup, il faut avoir galéré un peu, faut que ce soit arrivé sur scène. Tu auras beau apprendre et faire 25 ans d'école, il y a un moment dans ce métier, il faut être au plateau, quoi. Donc c'est hyper logique de le faire dès l'école, quoi. Ou plus tôt, quoi. L'intérêt pour nous, c'est d'être confronté à la réalité professionnelle avant notre sortie. C'est de rencontrer des gens avec qui donc on travaille. On apprend à être au service de quelqu'un qui nous demande de faire quelque chose et en même temps d'apporter sa personnalité, ce qu'on est, au service de l'intention de l'auteur ou du metteur en scène. On apprend aussi ce que nous, on veut vraiment faire. Parce que du coup, on peut faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément, mais on les teste, entre guillemets. Donc, on apprend un peu qui on est et qui on veut vraiment devenir. On apprend le métier, ouais.